Si vous avez un visage comme le mien, c'est-à-dire allongé, étroit, anguleux, avec les maxillaires prépondérantes et la ligne d'implantation des cheveux horizontale, vous avez un visage rectangulaire. Et c'est également la forme de visage d'Angelina Jolie. Alors mon conseil pour les visages rectangulaires, c'est de préférer les bijoux très féminins et aux formes arrondies. Pourquoi ? Parce que l'on conseille toujours de ne pas reproduire la forme du visage pour mettre celui-ci en valeur. Donc si vous avez un visage anguleux, ne portez surtout pas des bijoux aux formes géométriques et trop longs. Cela ne va faire que accentuer les angles de votre visage et allonger encore plus celui-ci. Donc moi par exemple, je porte de petites boucles d'oreilles rondes. L'autre modèle que je vous conseille, ce sont celles-ci par exemple. Elles sont rondes également, pendantes mais pas trop longues. Et pour les colliers, je vous conseille un collier court et à la forme arrondie, qui va apporter de la douceur à votre visage et qui ne va pas l'allonger encore plus. Donc évitez surtout les sautoirs.